Bonjour et bienvenue dans The Binding of Isaac Adventures Plus Daily Challenge, j'espère. Sinon vous ne verrez pas cette intro. Oh putain. Ok. Alors, nous commençons avec... C'est un daily spécial. On va jusqu'à Mega Satan parce qu'on est dimanche. Et manifestement, oula, on commence avec des bombes, beaucoup de bombes. Et ça serait déjà embêtant en soi, mais on ajoute à ça cluster bombe. Bon, et eh bien, allons-y. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. On a un seul cœur. La moindre explosion qui nous touche nous tue. Hein. À partir de là, voilà. On trouve un sac de bombes. J'aimerais bien trouver Pyromaniac, en fait, moi, plutôt. Plutôt qu'un sac de bombes. On n'a pas la carte. On a eu l'item room. On a eu le magasin. Voilà. Ça va même reroll gratuitement. On n'a plus que 3 centimes, ça ne sert à rien. Bien. Bah sans la carte on va juste avancer hein. On aurait pas tardé à tomber sur les boss de toute façon. Oulalalala. Touché. Salle secrète. Oui. Mais nul. On s'en fout. Oulalalala. Yeah. Explose. Parfait. Ok donc il n'y avait pas de salle secrète secondaire ici. Oulala. Ok, alors vous, voilà. Presque parfait. Voilà, ça c'est fait. On va faire ça quand même parce qu'il y a des chances que... Pas du tout. Bonjour monstro. On a 2 minutes et j'arrive à peine sur toi. Et je sens que je vais devoir être prudent quand même. Parce que ça va être compliqué de pas se prendre ses propres bombes dans la gueule. Wouh! Et un damage up. Yeah, et un range up. Range up, c'est compliqué avec Epic Fetus. Ça met un peu moins en danger des fois, mais ça rend plus dur de viser. On a une bombe sur deux qui fait moins mal. Qui fait plus mal, pardon. La bombe rouge. Ok. Puberty. On va pas tout péter hein, parce qu'on n'a pas le temps. Le truc c'est que Epic Fetus ça rend le run assez lent en fait. Parce qu'on peut pas vraiment spammer les tirs. Et donc on tue les ennemis à un rythme assez lent. C'est pas très pratique. Et on a la carte cette fois donc on va pouvoir... Oh bordel. On n'est pas sorti du sable. Ouh putain. Cassez-vous les petites bombes. D'accord. Alors là ça va parce qu'en fait on a beaucoup d'ennemis dans les premiers étages qui ont une mobilité faible à nulle. Le problème c'est que dans les prochains étages non. Donc soit on trouve vite fait une immunité aux explosions, ce qui serait une solution intéressante. Elle est où la mouche rouge? Elle est toujours là. Ok. Donc le caca, il va mourir. Vous voyez, quand je disais que c'était lent, c'est parce qu'aussi c'est dur de toucher. J'ai pas de clé. Ah. C'est ennuyeux. Hop. Et hop. Ça devrait suffire à calmer tout le monde. Bien. J'aimerais bien une clé. Merci. Merci. Que demander de plus? De l'argent dans ses pots? Une salle secrète tout au bout? Une rivière de diamants? Non, on va s'arrêter là. Pas un item très intéressant dans le contexte. Non, en fait, c'est pourri, c'est un item actif en plus. On s'en fout complètement.
J'ai espoir de trouver de la brimstone et que ça surcharge Epic Fetus, mais je crois que c'est pas le cas. Explosivo. Je me demande si ça fait des bombes qui collent au mob. Ce serait bien. Pas du tout. Ça fait des bombes qui collent pas du tout au mob. Mais par contre, ça fait des mobs qui meurent instantanément. Et ça, c'est bien. D'accord, bien. Bonus de dégâts. Alors bon, c'est utile. Dans le sens où c'est pas inutile. Ouais. Voilà. J'ai pas mieux. Et oui, j'ai zappé les tâches parce que le chrono tourne. Hein, et il ne s'arrête pas pour nous, malheureusement. Ouh, bordel. Donc on est obligé de... Ouh, bordel. On est obligé d'avancer. C'est compliqué. Oula. Oup, top, top. Là, si on avait les, vraiment les sticky bombs qui collent aux ennemis, ce serait vachement pas pratique. Merci d'être mort. Et paf. Ok, trop de... Ouais, ok, n'importe quoi. Pam. Et pam. Non mais oh, j'ai pris un coup, ça va. Hein. On se calme maintenant, tout de suite. Putain, mais jamais tu te chopes des cluster bombes, toi. Putain, les cluster bombes, elles ont une toute petite zone d'explosion. Sauf quand c'est contre nous. Là, ça nous touche tout de suite. Salle secrète, peut-être. Ouh, bordel, des bonnies. Partout. Il n'y a pas de salle secrète à côté. Bonnie. C'est bon, non, c'est pas bon, il en reste. Il en reste un. Il est mort. Ah bah si, salle secrète, carrément. J'ai visé comme un sec. D'accord. Yeah. Voilà. Bon, vous savez quoi, cette pièce, elle est à nous. Voilà. Ouh, Black Candle, bien. De la vie et plus de malédiction. Et ça va sérieusement enlever un poids sur ce run. Parce que les malédictions, c'est pas pratique. Surtout genre quand tu vois plus ta vie, tout ça. Ok, ok. Bon, on a des bombes qui font assez mal pour one-shot ce genre d'ennemis. Et ça, c'est quand même pas mal. Il restera la problématique de toucher les ennemis bientôt. Mais... Oui, il commence à... Dès qu'il marche un peu, ça devient compliqué. Et voilà, on va pas prendre ça parce que c'est de la merde. Quelle que soit notre situation, ça reste... Ouh, de la merde. Pam. Palam, pam, palam, pam. Bim, bim. Ok, est-ce que j'ai des trucs bien là-dedans? Non. Oui. Super. Donc, 7 minutes 22, Caves 1, on est pas mal, hein. Il faut absolument aller vachement vite, parce que sinon, ce boss rush, ça va être... On va mettre 6000 ans à faire boss rush, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Non. Ouh, toi tu vas me voir. Non, tu m'as pas vu, c'est gentil. On a eu les deux salles secrètes, on a eu l'item room, j'aurais bien aimé choper le magasin. On va voir si on peut avoir un deal with the devil avec tout ça. Voilà, pam. Repam. Et pam. Et je me suis jeté dedans. Et ça tue l'ad, c'est bien. Et on a un deal. Et je vais attendre que ça passe. Voilà. Soit utile. C'est pas tout à fait la définition de utile que j'avais en tête. Ça meurt bien. Vous savez quoi, le bonus de dégâts, je suis pas sûr qu'on en ait sensiblement besoin avec ce run. Par contre, la possibilité de balancer de la brimstone dans toutes les directions pourrait potentiellement s'avérer importante. Parfait. Genre pour ce genre de salle avec des ennemis très chiants, dont il va y en avoir probablement tout le temps maintenant. Hein. Non, ne me touche pas. Parfait. Oh. Ouh là 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 là. Je suis pas tranquille sur ce run, hein. Je suis pas tranquille quand même. Hein. Bam. Est-ce qu'on peut choper un truc cool dans cette dans le magasin vis-à-vis de notre problème de bombe? Bon, attendez, vous savez quoi? Ça peut être sympa pour un run qui va jusqu'à Mega Satan.
Et on pourrait choper le plan, ce qui est pas si mal. Et une clé pour l'item room, ce qui est pas si mal aussi. Le boss est probablement tout en haut. J'aurais cru. Le boss est donc probablement tout en haut, donc on va essayer de choper des salles spéciales par en bas. Putain, mais ils sont morts de quoi? J'avais des mouches, putain. Et ils sont morts de mouches, quoi. Item room. Bien. On a déjà le sac de bombes. Je vais pas le ramasser, ça me fait juste des points en moins. Donc j'ai bien peur qu'on soit un peu curated au niveau des items. Et que dans les item room, il y a essentiellement des items de bombes comme ça. Ce qui va être très ennuyeux. Parce qu'en fait, on n'en veut pas vraiment, tu sais. Au moins, j'avais le choix entre une bombe ou ça. C'est compliqué. Hop, 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 hop. Ça le secrète. Très bien. Toi. Pas inutile, mais un peu gâché, là. Bam. Au revoir. Two of clubs. C'est un peu inutile aussi, honnêtement. Alors oui, je vais vite, mais c'est parce qu'en fait, c'est compliqué de ce genre de run. Et en gros, faire plus de salles, ouais, ça rapporte des points, mais c'est aussi plus l'occasion de se prendre des bombes dans la gueule. Et ça va beaucoup, beaucoup arriver sur les prochains étages. Plus on va avancer, plus les ennemis vont être mobiles, rapides, et globalement, pénibles. À buter. Et je viens d'activer I'm Excited, ce qui est probablement une des pires pilules possibles dans le jeu et la pire qu'on pouvait trouver dans ce run parce que les ennemis vont se mettre à aller très très vite par moment pendant deux ou trois salles. Enfin, pour deux ou trois salles. Bref, on n'a pas eu la salle secrète secondaire qu'on va essayer de chercher vite fait parce qu'on a quand même un peu de temps, faut pas déconner. Elle était pas là. Alors, ça m'ennuierait qu'elle soit dans la salle en dessous, mais bon, bah elle est vraiment dans la salle en dessous. Bam! Et bam! La voilà, pas du tout! Tiens! Bon, bah elle est probablement perdue. Loin. Et on est à 11 minutes et on va aller faire ça. Je répète, il faut absolument qu'on avance parce que sinon on ne fera pas. On n'aura pas accès à Hush parce qu'on va. Si on survit, on va passer 6000 ans sur Boss Rush. Clairement. Range up et luck up. Pourquoi pas? J'ai un boss rush, ça va être long. Très long. J'anticipe. Je me trompe peut-être, mais j'anticipe. Le boss est sûrement en bas. On va faire les salles sur le côté pour essayer de trouver nos salles spéciales. Merci la petite bombe. On garde un œil pour les Tinted Rock. Il y en a pas. Comme ça, c'est fait. Ça, c'est une Cursed Room, ce qui est bien, mais pas top. On a un peu la vie pour la faire, on va le faire. Oh, potentiellement des choses bien. C'est probablement du suicide de prendre ça. Ah, c'était du suicide. On va espérer qu'il y a une pilule utile là-dedans. Alors, il y a une pilule. Et c'est paralysé. Bien, c'est de la merde. Gros caca dangereux, petit caca dangereux, tout le monde est mort, parfait. Des bonnies partout. On est dans la merde. Les bombes doivent pas me toucher, sinon c'est dangereux pour moi. Explose. Merci. Donc salle de combat et salle normale. Est-ce qu'il y a de la vie là-dedans? Peut-être. Yeah. Et là-dedans? Non. En même temps. Ouh putain. Ouh putain. On est dans la merde. Ils vont être durs à choper eux. Redeviens visible s'il te plaît. Non. Putain, je le traverse. Pourquoi j'ai pris Death Touch? Avec des stocks, les bombes traversent les ennemis. Faut pas prendre, il faut jamais prendre des stocks quand on a cet item parce que les bombes traversent les ennemis, les
totalement impossible de toucher un ennemi mobile. Que cela serve de leçon aux autres. Ouh, plein de morts. C'est impossible de toucher un ennemi avec Death Touch plus Epic Fetus. Les bombes traversent les ennemis qui bougent. Et du coup, les bombes passent au travers et... Ah!